99. Ok. On y est presque fait. Ouais. C'est pas trop tôt. Tu m'as l'air un peu pâle. T'as pas l'air beaucoup plus en forme, papy. Ça fait un bail que t'étais pas venu sur le terrain. Je suis peut-être plus aussi jeune que toi, mais... je possède une arme qui surpasse toutes celles de ton arsenal. Ton super blouson en cuir, c'est ça? Non, V. L'expérience. Oh. T'as participé à combien d'OP, grosso merdo? Plus qu'il n'y a de bougies sur ton gâteau d'anniversaire. Mais aujourd'hui, on s'infiltre dans une soirée organisée par un dictateur. Avec pour objectif de ressortir avec son bien le plus précieux. Oui, bah... allez, on se change. Ah, enfin. Enfile tes nouvelles fringues et affiche ton plus faux sourire. Une fête nous attend. Costume chic. Ah ouais, ok. C'est pour ça aussi que je pouvais pas changer comme je veux. Quelques temps plus tard. On est prêt. Ouais, j'espère qu'un mauvais clic ne... Bien. Je peux pas sauvegarder là? Et voilà. Mauvais clic ne fait pas sortir l'arme, j'espère. Je dois bien l'admettre, V, la fête de Hansen est démente. Il y a un sentiment de splendeur. On s'éclatait pas comme ça de mon temps. Maintenant, rends-moi service et va là-bas. Figure-toi que j'ai oublié le goût du vrai champagne. Attends, tu ressens les goûts? Mais comment on fait pour passer les gardes? Il y a des invitations peut-être? Ou à partir du moment qu'on est arrivé à cet étage, c'est qu'on est déjà passé la... vérification d'invité. Je serai au bar si t'as besoin de moi. Dis con. C'est à se demander qui n'est pas là. Commissaire du NCP, politicien, diplomate, célébrité, cadre corpo, chef de camp. Ouais, Hansen a réussi son coup. On croirait qu'il chie les truffes et du caviar. Un jour, Homer. Bienvenue. Désirez-vous une coupe de champagne? C'est pas de refus. Nous vous souhaitons une agréable soirée. Non, je sais que ça a été fait spécialement pour nous. Ce n'est pas le paiement qui pose problème. J'ai simplement besoin des papiers qui vont avec. N'y a-t-il pas d'alternative? Voilà ce que je propose. Soit on obtient une preuve d'achat, soit on adopte une autre approche, non violente qui plus est. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous nous attaquez en justice. Vous assurez le spectacle pour le peuple. Je suis prêt à témoigner que ce... projet a été commandé par la mairie. Nous en discuterons plus tard. Bien sûr. Je suis toujours ouvert au compromis. D'accord, monsieur l'adjoint au maire. Mafieux, ouais. On a besoin d'équipements capables de supporter des températures extrêmement basses sans perdre en fiabilité. J'en ai été informé par nos amis argentins. Nous sommes parvenus à un accord initial de 30 systèmes de défense antiaérienne, 500 véhicules blindés et 100 navires de combat. Ajoutez à cela des équipements personnels pour 5000 opérateurs, ainsi que deux sous-marins nucléaires. Date de livraison estimée à 2078. C'est un peu tard. Et pour les tests? Ce sont les tests qui nous déterminent la date. Nous pouvons livrer en janvier, mais la qualité des tests sera moindre. Je comprends. Nous pourrons peaufiner les détails. Ok. Avec Hansen, avoir des références est inutile. Ce qu'il faut, c'est savoir parler son langage.
Tu crois que quelques slogans bidons convaincront Hansen de redynamiser 10% de la zone? Ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut lui montrer les prévisions de ses pertes et profits telles qu'elles sont, sans les édulcorer. Donc tu trouves que j'édulcore? Tu as signé un super contrat avec Night City, c'était parfait. Mais pour Hansen, laisse-moi faire. Sans vouloir te vexer, je sais que tu trouveras un moyen de tout faire capoter. On dirait que certains rêvent encore de redonner à Pacifica la gloire à laquelle il était destiné. Je viens d'entendre des investisseurs... Prêts à voir leur argent disparaître dans les poches de Hansen. C'est courageux de leur part. Ah oui, non, il change de couleur, c'est-à-dire que j'avais quelque chose à faire. Ah oui, non, ok. Des putains de deals. Ouais, ok. J'ai loupé. J'en entends deux types négocier assez de matos pour équiper toute une SMP. Je suis pas surpris. Regarde autour de toi et observe les visages, les tenues. On a des ambassadeurs étrangers, des dictateurs de républiques bananières, des aspirants révolutionnaires, des chefs corpaux. Leurs besoins sont exactement ceux auxquels Hansen et compagnie sont en mesure de répondre. Et du coup, le maire adjoint, quand même, qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça, quand même? Bah, il est plus là. Ah, si, il est encore là. Ouais. Il y a rien à dire sur le maire adjoint quand même. Ça fait beaucoup là. Ce n'est pas négociable. Bang. NCPD. Okay. Police. Bang. Le chef du NCPD négocie un deal avec le boss des Six Street. Ils essaient même pas de se cacher. Cette soirée est un microcosme de Night City. Le NCPD, c'est un gang comme un autre. La seule différence, c'est qu'il est coté en bourse. Ok. Tout va bien à Night City. Il part pas. B, ce type ressemble très pour très à ton Ronin. C'est putain de troublant, t'es sûr que c'est pas ta que moi? Bon, juste un dernier. Je sais pas. Vous ressemblez exactement à mon ami, Goro Takemura. Lui aussi, il vient de sortir de désintox. Malheureusement, il est plus des nôtres. Oh, je suis navré de l'entendre. Je vous présente toutes mes condoléances. Merci. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, surtout faites-le moi savoir. Il n'y a aucun nom me dit quelque chose. Eh, hey, ce serait pas vous qui avez aux infos? Avertir les gens au sujet de la relique. Que le Seigneur vous bénisse de sa lumière. Et... Même ce pasteur qui mettait les gens en garde contre la relique aux infos est là. J'espère peut-être sauver Hansen pour recueillir des dons pour son église. Au bout du compte, l'argent sale, ça reste de l'argent. Ok, petit tour de la soirée du coup. Ah, il y avait un mec là où j'ai pas vu. Le son est un peu fort, mais... Monsieur Kevorkin. On se connaît? Désolé, j'ai un appel holo important à passer. Ça fait d'être connu des médias. Il manquerait ça pour rien au monde. Alors fais une poussée d'adrénaline qui t'adore. Et Hansen, lui, il adore qu'il lui mange dans la main. Gratuit. Mais oui, bien. Et maintenant, non, mais on s'est pas plus toi. Il a seulement vu venir ici. Elle viendra nous chercher ou elle nous aura laissé quelque chose. Faut juste que ça ait toi, l'air d'être gratuit. T'as un peu en tête? C'est là tout l'intérêt. On en reparlera demain, maman. Ouais, je croyais que c'était toi le docteur à explication. Manifestement, oui. Sur ma droite, l'espace VIP tout au fond, derrière l'escalier. Le type en treillis qui a l'air de débarquer tout droit d'un stand de tir. C'est le proprio du Black Sapphire, monsieur Doctor en personne, Kurt Hansen. Il
passes manifestement une bonne soirée en compagnie du commissaire du NCPD. Dans ses discours via haut-parleur, il est farouchement opposé aux forces de l'ordre. C'est du cinéma, parce qu'en privé, il fricote avec les huiles du NCPD et leur file des tapes dans le dos. Évite-le, surtout pas de confrontation. Sinon, reste visible. Songbird a dit qu'elle nous retrouverait ici. Laissons-lui une chance. Je vais prendre un verre et faire un tour. On reste en contact. Sois pas trop insistant en abordant les gens. On doit préserver les apparences. Elle a l'air de t'amuser. Un gin tonic, s'il vous plaît. Ah, Kurt Hansen, il est là. Ouais. Il faut que je vais vite. Votre ami a-t-elle un nom? Sonny. Une femme coréenne. La trentaine. Là-haut, sur la mezzanine. Faut juste que je trouve le moyen de monter. S'approcher son homme, parler à son bird. Regardez là. Hey, je suis contente que tu sois là. Ouais. Mais encore. Tu t'attendais pas à ça, hein? C'est ma coupe de cheveux. Dans ton dos. Elle te va bien, cette robe. Merci. C'est sûrement ça qui t'a surpris. Je suis super contente que tu sois là. Je sais pas ce que je ferais sans toi, V. Sérieusement. Content de te rencontrer enfin en personne. Notre dernière discussion s'est finie de façon un peu troublante. Dis, le renard, ton ami, celui qui nous a permis de reprendre contact la dernière fois. Je l'ai tué, c'est ça? C'est pas toi qui as tué Slider. C'était le mur noir. Et t'as vraiment du bol qu'il t'ait pas tué aussi. J'ai pas eu assez de temps pour t'expliquer que... Pour tout expliquer. Sol, j'ai commis tant d'erreurs. C'est rien, ça. C'est pas ta faute. C'est nous les responsables de tout ça. Vous ? Myers, tous les autres. Je sais ce qu'ils t'ont fait faire. Ils t'ont poussé encore et encore et... J'étais pas là pour les arrêter. Écoutez, vous deux... On n'a pas vraiment le temps pour ça, là. C'est vrai. La priorité, c'est de te faire sortir d'ici. Non. C'est impossible. Si. On est entrés, on peut ressortir. Fais-moi c'est confiance. C'est pas ça. Je suis... mourante, Sol. Comme V. Hansen a le remède qu'il nous faut. Si on s'enfuit maintenant... on est mort. La relique va tuer V. Dans mon cas, c'est le mur noir. Je peux pas partir maintenant. T'as un plan. Je l'entends dans ta voix. Ouais, et j'ai aucune chance de le mettre en œuvre sans ton aide. Hansen a sorti une tech d'un bunker sous Dogtown. Une tech qui pourrait nous soigner, V et moi. On doit la voler. Et la seule façon que je vois pour y arriver, c'est que je reste à proximité. Et que je joue la prisonnière. Soumis, putain. On va attendre une occasion pour passer à l'action. Je fais les épier de l'intérieur, et je vous demanderai votre aide le moment voulu. Je m'enfuirai quand j'aurai cette tech. Rien n'est jamais simple, pas vrai? Ah, Somi. Tu me présentes tes amis? Il est plutôt rare que je ne connaisse pas des personnes invitées à ma propre fête. Et je n'oublie jamais un visage. Kurt Hansen. Je m'appelle V. Juste, V. J'ai pas vu Somi depuis des années. On essaye de rattraper le temps. Ah, c'est donc ça. Pour moi, les retrouvailles, ça consiste à... ramasser des bouts de cœur brisés. Ou bien des dents. Ça fait toujours mal. Bon,
Je dois t'enlever, ma chère. Il y a des politiques de Night City qui meurent d'envie de te rencontrer. Et si on veut empêcher les rats affamés de dévorer Dogtown, il faut leur jeter quelques miettes de temps en temps. Je suis tout à toi, Kurt. À bientôt, V. Premios, ça a marché. J'ai rétabli notre lien au moment où je t'ai touché. Intéressant. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir. Et j'ai aussi besoin d'un verre. Je vais en bas. Je vais tout expliquer. Contente-toi de m'écouter. Il se passe quoi, là, Song? Je crois que j'ai jamais vu une prisonnière parader en robe de soirée à une fête Chico's. Et encore moins, être super pote avec son ravisseur. C'est de la comédie, V. Je fais ce qu'il faut pour survivre. Pour obtenir ce que je veux. Je laisse Hansen m'exhiber comme son trophée personnel. V, je peux pas tout expliquer maintenant, c'est trop compliqué. Mais j'ai vraiment besoin de toi. Tout ce que je veux, c'est nous obtenir ce remède. C'est ce que je cherche depuis le début. J'aime pas ça. Mais alors pas du tout. Ma situation me plaît pas non plus. On est tous les trois dans une putain de merde. Voilà, je l'ai dit. Le remède. Comment on met la main dessus? Il nous faut la matrice neurale. Une tech secrète qui incorpore des IA de l'autre côté du mur noir. Cette matrice se trouve dans un ordinateur central qu'Hansen a sorti du bunker. Mais il est sécurisé et Hansen n'a pas la clé. C'est ça le problème. Cette matrice neurale, c'est quoi au juste? Pour résumer, c'est un stockage. Un moyen de transporter une IA piégée par certaines conditions limites. Quand on déclenche l'IA, elle exécute ce qui est stipulé dans ces conditions. Mais je peux vraiment pas entrer dans les détails maintenant. On n'a pas le temps. T'as un plan? Accouche. Hansen a besoin de moi et de deux runners qui ont déjà bossé sur cette tech. Ils ont obtenu les codes d'accès, en fait, et ils sont prêts à les refourguer contre paiement. Le marché noir, quoi. Ils fournissent l'accès, et moi j'apporte mon savoir-faire pour extraire la matrice et les données de l'ordinateur central. On doit travailler côte à côte, ça nous offre une occasion. Tu voles les codes d'accès, et après tu mets les runners hors jeu. Ensuite, vous prenez leur place pour une rencontre avec Hansen. C'est à ce moment-là qu'on fauchera la matrice juste sous son nez. Du coup, ces runners, on fait comment au juste pour prendre leur place? Tech de vol de personnalité. C'est un peu la spécialité de la firme. Alex et Reed la connaissent bien et t'expliqueront. J'aurais jamais imaginé que ces deux-là seraient de notre côté. Qui nous aiderait. Ce boulot, toute cette histoire sur Hansen. Y'a un truc qui cloche méchamment en son. T'es encore en train de me cacher quelque chose. J'ai pas le temps de t'expliquer tous les détails. V, je t'en prie. Il nous faut la matrice. Concentre-toi sur les runners. Trouve-les. Ils sont là. Juste en bas. Des jumeaux roux blindés de glace de la tête aux pieds. Un scan avec tes Kiroshi te montrera que dalle. Tu te débarrasses de moi, là. Le verre de champagne juste là. J'ai rassemblé des infos pour toi. Apporte-les à Reed. Vous en aurez besoin. Je peux vraiment y aller, là, V. Je compte sur toi. Songbird, elle est partie. Thank you.
On dirait que ton agent spécial a des besoins spéciaux. Il tente de noyer ses péchés et son chagrin. J'ai parlé à Songbird via la relique. On peut à nouveau communiquer. Tout va bien, Reed ? Ouais. Il me faut un temps d'adaptation. Je suis comme ça. Quand je suis contrarié, j'ai besoin d'un moment pour réfléchir. T'as trouvé quelque chose ? Ouais. Maintenant, on sait qui a tenté de tuer Myers. Je pense que c'est Songbird qui a tout planifié. Et t'as bien raison. Je sais pas pour toi, V, mais pour moi, les coïncidences ne sont que des modèles, des structures qu'on n'a pas encore identifiées. Où tu veux en venir ? SF-1 s'écrase. Pas n'importe où, mais sur un territoire précis. Contrôlé par quelqu'un qui a trouvé une tech obscure oubliée dans un bunker secret. Ce crash a été orchestré en interne. On s'en doutait depuis le début. Maintenant, on en a la certitude. C'est Songbird qui était derrière tout ça. Et il t'a fallu qu'un verre pour arriver à cette conclusion. Les pièces ont commencé à s'emboîter quand on était sur la mezzanine. Somi nous a dit qu'elle était mourante. Tout découle de ça. Elle avait passé un marché avec Hansen avant même que tout ça n'arrive. Elle a échangé la vie de la présidente contre un accès à cette tech. La présidente des NUSA vendue à un seigneur du crime. C'est énorme si c'est vrai. C'est parce que Myers poussait constamment Somi à franchir des limites. Alors elle a fini par craquer. Je sais pas. Song m'a recruté pour sortir Myers de cette épave. Alors je doute franchement qu'elle ait voulu sa mort ou son enlèvement par Hansen. C'est jamais aussi simple, V. À mon avis, Somi jouait sur les deux tableaux. Elle a conclu un marché à la fois avec Hansen et avec toi. Elle fait Hansen, puis tu entres en piste. Elle te contacte via la relique et te demande de sauver la présidente. Ça lui assure l'absolution. T'as besoin du remède autant qu'elle. Ça lui garantit ton aide si jamais son plan échoue. Et voilà où on en est. Ouais. Nous voilà à foncer au secours de Songbird. Avoir plusieurs coups d'avance a toujours été son point fort. Mais ses points faibles restent son manque de jugement et son incapacité à évaluer la situation. Aux échecs, elle serait célèbre pour ses coups stupéfiants et ses défaites absolument flamboyantes. Merde. Je peux pas m'empêcher de penser qu'elle continue de jouer un jeu. Ok, elle est plus franche qu'au début, mais je doute qu'elle nous dise tout. T'as peut-être raison. Il vaut toujours mieux rester vigilant. Mais je connais assez bien Somi pour savoir qu'elle fera de son mieux pour être juste. Ok. Tu viens de marquer du sceau de la trahison la chère reine du bal que tu veux sauver. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu sais, V, une trahison, c'est jamais tout noir ou tout blanc. On a aussi tenté de m'éliminer une fois. Et si on était tous des pions ? Le plus important pour le moment, c'est de la tirer de ce putain de merdier. Et pour la suite, on avisera. Moi, je veux simplement ce que Songbird m'a promis. Le remède, c'est tout. Entendu. Je m'occuperai du reste. Des répercussions. Bon. Revenons-en à notre problème. On doit faire quoi pour la sauver ? Pour récupérer la tech dont on a besoin, Songbird et moi, on doit aller à un rendez-vous avec Hansen. Ça va demander de la préparation. Parce qu'on doit se présenter à la place de deux runners. On doit d'abord leur voler leur identité, si tu vois ce que ça veut dire. Du vol d'empreintes comportementales. Ça me rappelle notre boulot colombien à l'époque. Ok, c'est qui et où on peut les trouver ? Du coup, je me demande, comment on s'y prend pour voler l'identité de quelqu'un ? Tech métanthropique de la FIA. Alex y a accès. Tu l'as déjà vu s'en servir. Ton apparence, ta voix et ta gestuelle sont les mêmes que celles de la personne que t'imites. Mais pour ça, il nous faut des scans de nos cibles. Song m'a préparé cet éclat, jette un œil. Nos cibles sont un frère et une sœur, des jumeaux roux. Ils sont quelque part ici, en train de s'éclater. Ok, on doit récupérer leurs données, prendre des échantillons de comportements variés.
On établit le contact et on les scanne tout en leur parlant. Compris. Je crois. Donc, on passe à l'action. Regarde là-bas. Waouh, t'as pas traîné pour les repérer, Reed. Je les ai remarqués depuis un moment. Ils se démarquent même au milieu de cette foule. Alors les jumeaux sont à la roulette. Alex, t'as entendu ? Ouais, 5 sur 5. Je prépare la tech de scan maintenant. C'est nouveau pour toi, mais relax. On va le faire en duo. J'en scanne un pendant que tu t'occupes de l'autre. Alex nous guidera. V, je t'envoie de l'argent de notre fonds de mission. Fais plein de jetons et rejoins leur table. Mais va pas tout cramer dès le début. On se rend à la table séparément et on se connaît pas. Allez, au boulot. On a touché le gros lot avec la roulette. Les jeux de hasard provoquent des émotions variées chez les gens, comme la joie en cas de victoire ou le désespoir en cas de défaite. C'est parfait pour ce qu'on veut faire. Bonsoir, monsieur. Je voudrais acheter des jetons. Bien entendu. Je vous souhaite bonne chance au jeu. V, un point important. T'es pas là pour t'amuser. Contente-toi de mise simple, rouge ou noir uniquement. Pas de mise à la con, c'est compris ? C'est compris. Il nous faut un panel d'émotions, alors provoque-les. Mais de manière subtile. Parce que s'ils se braquent, l'analyse sera ratée. Ok. C'est de joie, allez, allez, allez. Laisse-moi gagner encore une fois, juste une fois. Faites vos jets, s'il vous plaît. Les paris sont ouverts? Oui, absolument. Le rouge, alors. Détends-toi. Mets-leur un verre, brise la glace. Je te rejoins bientôt. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Quoi ? Tu vas même pas te présenter ? V. Et toi ? Aurore Cassel. Et le mec rasoir, c'est mon frère, Emeric. Alors ? La chance vous sourit ? Nous venons juste de commencer. Vous voulez quelque chose ? C'est pour moi. Alors, un bourbon. Malheureusement, mon frère boit pas. Vous avez entendu la dame ? Et une real water pour le gentleman. Et pour vous, monsieur ? Un gin tonic. Un gin tonic, c'est bien noté. Je reviens tout de suite avec vos commandes. 31. Impair. Noir. Et merde ! Faites vos jets, s'il vous plaît. Dernière chance. Allez, allez. Oui. V, j'arrive pas à contacter Reed. Je sais pas où il est. Essaie de gagner du temps, ok ? Je viens de réaliser, mais... Toi aussi, tu dois avoir de la merde sous ton tapis. Comme tous les connards ici. Sauf si t'es venu pour faire du tourisme. À la manière des ratés qui vivent par procuration pour se sentir en vie. Elle, c'est une provocatrice. Tu m'as démasqué. Je suis un raté venu faire mon touriste. J'ai affaire à un blagueur. 15. Impair. Noir. Perdu. Ah, fais chier. J'en ai marre. Faites vos jets, s'il vous plaît. J'ai l'impression que je vous ai interrompu en pleine conversation quand je suis arrivé. Tu n'as vraiment pas à t'en faire pour ça. Allez, frangin. V, c'est simplement d'être poli. Pas vrai, V ? T'étais pas en train de fouiner, là, hein ? 18. Paire. Rouge. Toujours aucun signe de ride, V. J'aime pas ça du tout. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Le 8, c'est mon chiffre. J'étais pas en train de fouiner, non ? J'essayais juste d'être poli. Ah, allez,
Fais pas ton coincé du cul. J'aime pas les gens chiants. Bien sûr que t'étais en train de fouiner. Parce qu'on est beaucoup trop intéressants. Écoute, Reed a disparu et on peut pas l'attendre. Tu vas devoir faire les deux scans tout seul. On parlait de politique locale. Plus particulièrement de notre hôte, Monsieur Kurt Hansen. Un gros poisson, qui vend des gros flingues pour se faire des gros sous. Et pourtant, on a ici des célébrités, des politiciens, et même le chef de la police. Alors je me disais que Hansen ferait peut-être mieux de développer le caractère légal de son activité, non? Moi, j'en suis certaine. Mais mon cher frère n'est pas de mon avis. 36. Père. Rouge. Ah. On dirait que c'est pas mon genre de chance. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Qui est réellement Kurt Hansen? C'est une question essentielle. Fais attention avec ces deux-là, V. Pour moi, c'est tout con. Hansen, c'est un costard sans costard. Oh putain, non mais sérieux, vous les Américains, vous aviez plus d'imagination avant. Elle te balade, V. Te laisse pas faire. Reprends le dessus. Et si toi, tu nous donnais ton opinion sur sa personne? Le but ultime, c'est de profiter de la vie. On peut déclencher des guerres pour se faire de l'argent. Mais c'est quoi l'intérêt s'il faut ensuite le cacher? Emmerich le sait, je le sais. Et si Hansen a un peu de bon sens, il le sait aussi. 21. Impair. Rouge. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu ne serais pas en train de devenir trop pote avec lui? Fais pas ton jaloux, petit frère. C'est pas comme si on allait baiser, lui et moi. C'est pas la gêne qui vous étouffe, hein? Ouais, je te le confirme. Entre nous, Hansen pourrait saisir Doctown à la gorge, virer tous les junkies et en faire un paradis pour milliardaires. C'est si ennuyeux de s'enrichir. Il devrait rendre à la communauté, investir, créer des emplois, organiser des banquets. Elle devient bavarde. Tu gères, V. Et les œuvres de charité sont de parfaites machines à laver. Elles blanchissent des milliards, crois-moi. 12. Père. Rouge. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu es si puéril. C'est beau à regarder. Quoi? Tu vois Hansen adopter la position du missionnaire en affaires? C'est absurde. Reed répond toujours pas. Mais toi, continue. Vas-y, passe à l'autre jumeau. Le type possède quasiment Doctown. Il pourrait s'en servir pour négocier. Négocier pourquoi? Devenir maire de la ville? Allons. Il est très bon dans son domaine. C'est un vrai professionnel du crime. Soldat hier, baron du crime aujourd'hui. Pourquoi pas requin de la finance demain? C'est déjà un requin, Doctown. Alors, légaliser ses activités? Ça ferait beaucoup de travail pour un simple changement d'étiquette. C'est bien. Il sort un peu de sa coquille. 19. Impair. Rouge. Oh, putain! Faites vos jeux, s'il vous plaît. Tu peux développer? Je suis tout ouïe. Voilà ce que je pense, V. Une vente d'armes ou de biens immobiliers, pour moi, c'est du pareil au même. Alors, est-ce que je perdrais 5 années pour essayer de changer comment les gens me perçoivent? Pour apparaître comme respectable aux yeux de la société? Non. Qu'ils aillent se faire foudre. 3. Impair. Rouge. Putain! J'aurais dû miser sur le rouge. Faites vos jeux, s'il vous plaît. C'est bien. J'y suis presque. Donne-moi une émotion forte maintenant. Tu peux les faire rire ou pleurer, ça m'est égal. Faites vos jeux. Vous avez le goût du risque? Oh, mon vieux, t'as pas idée. Je me disais qu'on pourrait pimenter un peu la partie. Je t'écoute. On peut dire que t'as attisé ma curiosité.
Ça vous dirait de faire tapis? On mise tout ce qu'on a gagné ce soir. Et on joue des couleurs différentes, ok? Soit tu gagnes, soit on gagne. Soit tu perds tout, soit on perd tout. Exactement ce que j'avais en tête. Un instant. Tu rejoins la table, tu paies à boire, tu parles encore et encore. Et maintenant, tu veux tout risquer? Je trouve ça troublant. Ce serait peut-être le moment de nous parler de toi, tu ne crois pas? Maintenant, fais gaffe. Je m'appelle V, je suis affilié à l'Afterlife. Faites-en ce que vous voulez. C'est bon, t'es content? Vas-y, choisis en premier. Je vois bien du rouge. Noir pour nous, alors. Allez, 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 allez! Sept, impair. Putain de merde! Laissez-nous un instant, je vous prie. Toutes mes félicitations. Je sais que ton ami Reed est de la FIA. J'en déduis naturellement que tu es aussi un agent. Et je suppose également que c'est vous qui aviez décidé de sauver la présidente et de l'exfiltrer de Dogtown. Je devrais vous renvoyer à Night City en petits morceaux dans des sacs à viande. C'est tout ce que t'as comme réponse? Waouh, t'as tout pigé. T'es un vrai génie. Pour être franc, j'en ai ma claque du cirque médiatique. Toutes ces allégations lancées contre moi, la propagande mensongère. Heureusement, on peut tirer un trait sur tout ça. Je suis toujours prêt à rendre service. T'en fais pas, colonel. Je te couvre. Je vais vous laisser sortir d'ici en un seul morceau. Reed et toi, sur vos deux jambes. Vois ça comme un geste de bonne volonté. Votre petit oiseau est venu me trouver tout seul, par contre. Elle en avait assez d'enfreindre les lois internationales pour le bon plaisir de la présidente. Alors elle a décidé de s'enfuir. Percer le mur noir, compromettre le net, la sécurité de toute l'humanité, et ça pour son profit personnel. Je me demande ce qu'en dirait Netwatch. Passe le message à la présidente Myers. Dis-lui aussi que son jouet de destruction massive est mon ami, à présent. Et qu'elle devrait foutre le camp de mon territoire, où le monde découvrira à quoi elle joue. J'ai d'autres chats à fouetter. Tu trouveras Monsieur Reed en bas. Ok, V. On a tout ce qu'il nous faut. Quel gros trou du cul. T'as entendu ce qu'il a dit? Ouais, j'ai tout entendu. Et ça me plaît pas du tout. Ce fils de pute a dit que Reed serait en bas. Ouais, j'ai entendu. Et son ton m'a pas plu du tout. On peut retirer les gars. C'est le moment d'évacuer V. Tente pas le diable. Oh. Je vais récupérer ma thune. Ouais, même. Et les gars. Non, dis donc. Rejoins l'ascenseur et descends au premier. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Sol. Il faut que tu manges quelque chose. Salut, l'été. V ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous savez, je pourrais vous retourner la question. Ah, oui. Ma présence ici peut paraître surprenante, mais je m'intègre bien. Et à Dogtown, je sens toujours mon cœur battre à 100 à l'heure. Heureusement, ce cher Elvie est avec moi. C'est mon nouveau garde du corps. Le meilleur que j'ai eu. Même s'il est un peu trop protecteur. Enchanté, Elvie. Bon, du coup, je sais pas qui c'est, donc j'ai pas la ref. On va chercher plus loin.
Oui, est-ce que tout est en ordre? Ne vous en faites pas. Vérification de routine. Passez une bonne soirée. On fait des vérifications. Est-ce que t'as remarqué quelque chose d'inhabituel? Eh ben, je crois qu'il y avait quelqu'un du côté de la buanderie. Mais tout à l'heure. Viens, montre-moi où. Je repense à ce que ce connard a dit. Songbird est une arme de destruction massive. Et Hansen la tient en laisse. Et en plus, il peut s'en servir quand bon lui semble. Écoute, V, on doit la sortir de là. Pour le bien de tous. Il sait, il a du linge sale sur Myers. J'ai du mal à le concevoir, mais si le public apprend que la présidente des NUSA enfreint volontairement les lois internationales concernant l'utilisation du cyberespace... Les NUSA sont baisés. Myers devra plonger, et se laisser traîner dans la boue pour ça. Ou bien, défier le monde et déclencher une nouvelle guerre. Oh putain, j'aimerais bien que les choses se passent comme prévu, juste une fois. Je la sens vraiment. Mais alors vraiment pas. Oui, je suis. Toi et ton chum, vous feriez mieux de vous tirer d'ici tout de suite. C'est tout droit. Je vais vous escorter vers la sortie. Viens, V. Inutile de rester ici. Reed. C'est pas le moment, V. Tu crois vraiment pouvoir me donner des ordres? Va te faire foutre. Je voulais dire... merci de vous diriger vers la sortie. C'était pas la réponse que j'attendais, mais... ok. Ah, c'est vrai que j'ai piraté les machines ici. Oh, ça va partir en couille. Trop lent, trop de... ouais, je peux pas encore les retourner contre eux, donc j'ai pas la main non plus. Sage décision, bravo. Vous partez déjà? Comment était la fête? Vous vous êtes bien amusés? Ignore-les, on sera sortis dans un instant. C'est bon? T'as fini? Allez, tire-toi, putain! Cette séquence est trop longue. Est-ce que je suis censé réagir? What? On s'arrête pas! Allez, dégagez! Allez, chez moi. Ouais, je sais pas. Comment ça s'est passé, V? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. T'as obtenu un scan complet des runners, des deux. À toi tout seul. J'ai dit, on a tout ce qu'il faut. Ok, ok. Et après, t'as pu prendre congé, partir sans problème? Attends, et toi, où t'étais passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On était inquiets. Loupé était en cours, je voulais pas la compromettre. Alors quand on a voulu m'escorter, j'ai pas résisté. Il m'avait coincé et attrapé avant que je puisse te rejoindre. Le reste importe peu. Ça s'est passé comment à la table? Y'a des raisons de s'inquiéter? Hansen s'est pointé et on a discuté. Y a même eu des menaces en fait. Il a dit que si Myers lâche pas l'affaire, le monde sera au courant pour Songbird et le fait qu'elle a percé le mur noir. Alors il sait ce que Somi représente pour la présidente. Une arme de destruction massive personnelle? Ouais, Hansen sait tout. Faut vraiment la sortir de là, Reed. C'est ce que je craignais. Ok, V, on a du boulot, Alex et moi. On doit analyser les données de Songbird. Ça devrait prendre un jour ou deux. Premios, on reste en contact alors. Ouais.
On va élaborer un plan d'attaque. On te tient au courant. Au fait, V. Excellent travail. Ok, you know my name, terminé. Un petit level up en plus, hein, c'est cadeau. Point d'attribut, j'étais en mettre dans l'intelligence. Ok. Nouvelle mission, Bird with Broken Wings. Entendre l'appel de Rib, de toute façon. Ah, Songbird qui m'envoie un message. V, tu vas bien, tu as disparu brusquement. J'espère que tu as pu quitter le saphir sain et sauf. C'est un peu tendu, mais tout va bien. Tout se passe comme prévu. Bon. Au boulot, même si Hansen se doute de quelque chose, oui. Il ne pourra pas assembler toutes les pièces du puzzle, du moins pas tout de suite. Je dois l'admettre, quand Hansen m'a capturé, j'ai bien cru que c'était fini pour moi. Mais voilà, tu apparais soudain, encore une fois, au bon moment. Et c'est pas fini. Mais, plus maintenant. On dirait qu'on se bat pour la même chose. Ça, c'est évident, hein. L'autre chose dont on peut être sûr, c'est qu'on obtiendra l'aide dont tu as besoin. Tu as ma parole. Après tout, on est dans le même bateau, tous les deux. On reste en contact. Oui.